Ok, allez, on est reparti. Normalement, je viens de faire un test d'enregistrement vite fait. Normalement, ça marche. Normalement, ça marche. Ouais, mais je sais pas du coup d'où ça venait. Ça devait être. Ah, c'était. Si j'ai redémarré le PC, que ça remarche, c'est que ça venait du PC. Alors après, d'où ça venait exactement? J'en ai aucune idée. Ah, faudrait que je me penche dessus tout à l'heure, éventuellement. J'espère que c'est pas une mage foireuse de Windows. On verra bien. Mais ouais. Ah, du coup, on y retourne. Allez! Student teacher ratio. I already got my hands full with this one. Come on, Herc. I'm low maintenance, I swear. Unburst monsters, huh? Hey, Phil, watch this. I'll show you what I'm made of. And I'll help too. Ok. Ouais, ça marche, hein. Mais toujours. De toute façon, c'est toujours les méthodes de sauvage qui marchent le mieux, tu vois. Ah, quand tu sais pas, tu redémarres. C'est toujours bien. Allez. Ah, du coup, ouais. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais forcément, hier soir, j'ai fait un coup de Monopoly. Ah, du coup, j'ai pu avoir des nouvelles capacités incroyables. Et merci pour les resub! À 14 mois déjà! Le prochain, je pourrais passer tiers 2. Ah, c'est cool! C'est cool! Comme ça, tu pourras profiter d'une deuxième emote. Ce serait incroyable! Allez! Enfin, du coup, ça a pourri un peu le monde de Disneyville, mais bon. Ah, c'est que Disneyville, ça va, c'est pas un drame! Normalement, vous devriez vous en remettre. Je sais pas si le stack brasier ça permet d'accéder à la deuxième transformation. Ah bon? Ah, je peux me téléporter pour me protéger. C'est cool ça. Mais en tout cas, ouais. Je sais pas d'où ça peut venir. C'est super bizarre. Après, si c'est qu'une fois, ça va. On attaque, ça se répète, quoi. You. Bon? Ah non, il y en a encore. Ah, du coup, je vais spammer la four, parce qu'il faut que je développe les nouveaux coups de grâce. Non, mais sur YouTube, ce sera pareil, vu que c'est les vidéos Twitch sur YouTube. Donc, il n'y a pas... Je fais pas de local record. Mais bon, après, bon, il y avait rien de spécial, quoi, au niveau scénaristique, voilà, on a réparé la machine à glace, ta patte, qui veut qu'on vote pour lui, pour le festival des rêves, là, je sais pas quoi. Et c'est tout. Ouais, du coup, il y a Zack qui veut devenir un nouveau héros. Ah, le petit Zack. Ouais, mais c'est quoi tout ce mode? Mais salut MacLéo! Ah bah MacLéo, t'as eu de la chance, t'as esquivé le moment problème technique. Parce que du coup, le son du jeu, il faisait de la merde. Je sais pas. Bah c'était pas un branchement, c'était vraiment le PC qui... Ah, si, j'ai le jugement de RAM. Parfait. C'était le PC qui foutait la merde. Okay, change of plans. The games are coming up. So I'm gonna watch both of your matches, then I'll decide which of you rookies I want to train. Sweet! Thank you, thank you! I'm gonna go sign up right now! The games, huh?
Sounds fun. Sorry, kid. Captain Eager there just took the last spot. I don't understand. Phil, I thought you were my trainer. You want to be a true hero, Herc? Then you're gonna have to go out there and show me that everything I taught you so far is gonna pay off. But, Phil... Oh, and no more training sessions for a while. Wouldn't be fair if I helped you and not him. Hey, cheer up. So you gotta fight a couple of matches, no big deal. I'm Ventus. You want me to help you train? You'd really do that for me? Sure. Thanks, Ventus. I'm Hercules. Herc for short. Just call me Ven. You're gonna do fine. Thanks. I'm gonna head over to the Colosseum and warm up. Meet me in the vestibule, okay? Non, mais de toute façon, Hercule, il est Gauthier, il a un téton à l'air. Et dans les jeux vidéo, quand il y a un homme qui a le téton à l'air, c'est que du coup, il est Gauthier. Un nouveau proverbe chinois. Vous pourrez le ressortir pendant les repas de famille, tout ça, vous verrez, vous les impressionnerez. Merci sûr qu'il fallait pas. Bah ouais. Non mais du coup, ouais, je sais pas d'où ça sort ce truc. Je trouve ça super bizarre. Enfin bon. Je jetterai un œil. Je regarderai quand est-ce que la dernière mise à jour elle a été faite. Ça se trouve c'était une mise à jour foireuse. Le PC il a pas aimé. Ah mon dieu. Mais il me manque le dash aérien par contre. Parce que là pour me choper lui je sais pas. Moi que tu puisses monter là-dessus, non. Assez. Ah trop bien. Ah c'est au pixel près. Ah mais du coup MacLeo, est-ce que t'as vu la news de ce matin chez Square Enix? Là ça a bougé. Ça a bougé. Ah un petit soin plus. Cool. Bon en plus là j'ai ça qui est fait. Est-ce que j'ai une autre compétence à mettre? Le soin plus là il est fait aussi. Ok, bah je peux mettre le nouveau soin plus hein, à la limite. Comme ça plus j'ai de soins faits et plus ce sera simple pour la fin. On va pas s'embêter. Ah oui, le coup de grâce aussi. Tu peux voir. Jugement d'armée. Ah mais ça s'arrête ici. Ah. Donc ouais, je vais rester là pour l'instant. Je vais essayer de partir. Celui du milieu, ce serait bien. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut le faire. Ah, si c'est 414, faut peut-être juste attaquer. Pas en flamme. Ok. Ah non, t'as pas vu. Ah bah du coup, tu sais, t'avais Tabata là, qui s'occupait d'un nouveau projet, soi-disant, depuis pas mal de temps maintenant. Il avait fait son propre studio, qui s'appelait le Luminous Studio, tu vois. En hommage à FF15, j'en sais rien. Mais du coup, là, dans les derniers bilans financiers, du coup, on a appris que le nouveau projet il allait un peu nulle part et que le gars il avait un petit peu dépensé 29 millions de dollars. Du coup bon, on l'a sûrement invité à démissionner quoi. Et du coup, le dernier DLC de FF15 là, qui était en préparation pour le DLC d'Ardine, le méchant, il sortira. Mais par contre tous ceux d'après, qui devaient sortir en 2019, ils sont totalement annulés. Donc du coup, FF15, ça restera à jamais un jeu totalement incomplet, quoi. Ouais, t'as battu ta cache. Ah mais du coup, là, il doit être en PLS dans un coin, et je pense que plus personne va en vouloir. Parce que quand tu regardes les jeux qu'il a fait chez Square, je sais pas s'il en a fait ailleurs. Moi, je le connais que de chez Square, mais du coup, il y a eu... Il a fait FF7 Crisis Core, là, sur PSP. Bon, pour un premier projet, c'était pas mal, mais c'était pas la folie non plus, quoi. Le jeu, il aurait pu être beaucoup mieux. Après, t'as eu Type-Zero, hein, toujours sur PSP.
que j'avais trouvé génial, mais pareil, le jeu, il y a des ellipses de ouf toutes les 3 secondes, et c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup mieux. Et du coup, après, il a repris FF14 et il a fait FF15, le gars. Donc, que des jeux en kit. Du coup, le gars, il a fait des jeux gruyère et des jeux en kit. Il a mené un gros projet à 30 millions dans le mur. Oh, putain. Alors bon, après le départ de Tabata, on va rester lucide. Ça arrangera pas les problèmes de com de Square. Et ça va pas les rendre compétents miraculeusement. Mais c'est un bon début. C'est un bon début. À 2004, Before Crisis, ouais. À 2006, Monotone. Ah, je connais pas Monotone. Il était réalisateur. Ok. Mais Before Crisis, pareil, il était pas ouf. Hein. Un Monotone, je connais pas. Crisis Core, ouais. 2009, Kingdom Hearts Coded. Bah, pareil, le jeu, il est un peu haché. Voilà, lui, dès qu'il fait un jeu sur portable, tout le temps, c'est des jeux ultra hachés, tu vois. C'est pas fluide au niveau de la narration et tout. C'est tout le temps des trucs avec des missions, et au milieu, t'as des ellipses, t'as un manque de mise en scène et tout, tu vois. C'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. À The Third Birthday, bah pareil, encore une fois. Jeu haché avec des ellipses, Tabi Zero, pareil. FF15, voilà, c'est un commentaire, hein, je pense. Tout le monde connaît. Et co-réalisateur, puis réalisateur exclusif dès 2014. Ouais. Il s'est pas occupé de... Il s'occupe pas de FF14? Non, c'était pas lui. À moins que c'était Shibata, je confonds peut-être. Je crois que je confonds, en fait. Ouais, il a pas touché à FF14, alors. Autant pour moi. Non, ouais. Je me suis trompé, ouais. Mais ils ont tous les mêmes noms, ils sont chiants. Ah, mon Dieu. Ah, putain. Ne clippez pas ça. Ouais, le 14. Mais comment il s'appelle le gars qui a repris FF14, du coup? Attends. Ah, du coup, ah ouais, Google, forcément, vu que j'ai redémarré à la sauvage. Modibase, mais n'importe comment. Attends. FF14, je sais pas, Real. Ah ouais, mais Real Reborn, non, réalisateur. J'en sais rien. Ah, sur Wikipédia, ça doit être marqué. Yoshida. Ah oui, non, c'est Yoshida, rien à voir. Pourquoi Shibata? C'est qui Shibata? Yoshida. Ah, je confonds tout. C'est terrible. En plus, je l'ai dit sur GameKyo, je vais forcément me faire allumer. Ouais, prêt pour l'entraînement, vas-y. On va faire la bataille. Mais du coup, ouais... Ah, comme ça, ils vont pouvoir se mettre sur FF16, quoi. Au lieu de s'enterrer avec FF15. C'est la bonne nouvelle. Casser les vases pour marquer des points. Détruisez plus de vases en montant sur des barils. Les vases géants rapportent plus de points. Ouais. Mais comment tu montes sur les barils? Ah, là-bas, il y a un baril. Mais non, mais il a cassé le baril! Connard! Comment tu montes dessus? Ah ouais! Ah, trop bien! Ah oui! Ah, du coup, ça marche le gros, ouais! Easy! Ah, c'est cassé! Putain, il y a un baril là! Ah, vite! Ah non, mais bien joué! Ah, j'ai gagné? Ah non, j'ai pas gagné! Il en a fait plus que moi! Ah merde. Mais du coup, on fait que de l'entraînement là, qu'est-ce qui se passe? On va faire un entraînement? On y va. Ouais.
Ah, du coup, cette fois, ils ont vu que j'étais nul. Ils me mettent directement. Allez, saute dessus. Ils mettent directement un baril dessus. C'est incroyable. Ah, il m'a poussé! Salaud! Ah, vite! Voilà, pousse-toi! Okay. Ah, mais c'est un baril explosif, ça! Ah, merde! Attends. Ah, vite! 69! Ah ouais, pas mal! Je pense que je suis bon. Il y a encore une minute? Sans déconner. Ouais, ça dure tellement longtemps. Ah, il m'a cassé le baril encore. J'arrive. Hop. Ah, c'est cassé. Non mais arrête de taper ceux qui sont tout seuls. C'est nul. Bon après j'ai tellement d'avance. Normalement ça devrait aller. Ah il est cassé. Ah vite. Faut bien faire gaffe à pas trop taper dans le truc explosif à chaque fois. En tout cas, ouais, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, la Square Enix, parce que mine de rien, entre... entre les jeux qu'ils ont annoncés il y a 15 ans et qui commencent à sortir, et tous les jeux qu'ils annulent en ce moment, ils ont plus grand-chose au final. Plus que tout. Vous voyez, mon père est Zeus, le roi des dieux, up on Olympus. Whoa! Herc, you're a god? No, no, I'm mortal. When I was a baby, somebody stole me from my parents and figured out how to take away my godhood. And this true hero thing? It's the only way I can become a god again. If I become a true hero, I can rejoin my father and go back to Olympus. Wow. I guess you really got your work cut out for you. But what about you? How come you're here? I'm just trying to make some friends. Well, hey, you've done that already. Huh? Come on, we're friends, aren't we? You bet, Herc. All right, you bunch of rookies. It's time we go over the rules of the game, so listen up. All the matches are divided into two brackets, one for the East and one for the West. Winners from each bracket go head-to-head in the championship match. Now, I signed you two up for the West, because they already got a heavy-hitting contender cleaning up over there in the East bracket. And if you want to beat them, you're gonna have to hustle in there. Now, move those sandals. Heavy-hitting contender? Ben, come on! Okay! Incroyable, on n'avait pas de budget pour les cinématiques. Voilà des JPEG. Yes, we made it. Yeah, and it's all thanks to you, Ven. Good. The other kid will be happy to hear that. No, I need you most of all, Phil. How else am I gonna become a hero? About time you got it. Whoever wins, no hard feelings. Of course not. Holding a grudge wouldn't be very heroic. Hey, just making sure. You're not a hero yet. True. This is really close. Ah!
we got trouble. There's monsters loose in town, and if they gate crash the games, you can forget about the match. Real monsters? We have to stop them. Leave the monsters to me. This match is too important. Ah bah du coup, il faut être un vrai héros pour abandonner son match et y aller. C'est ça le secret. Ah mon dieu. Ah bah ouais, mais c'était totalement le powerpoint du pauvre. Ah mon dieu. Mais du coup, ouais, Square Enix, il leur reste quoi là concrètement? Ils ont Dragon Quest Builders 2 qui est quasiment terminé. Bon, Kingdom Hearts 3, c'est bon. Mais du coup, il va sûrement y avoir la blinde de DLC. Parce que là, ils ont annoncé aussi en même temps que qui virait Tabata et qui ils annulaient le projet du Lumino Studio là, que du coup ils allaient sûrement s'arranger pour faire plus de sorties et faire plus de suivi sur les jeux, tu vois. Donc tu sens les gens qui préparent leur abonnement un petit peu comme Capcom, tu vois. Ça pue un peu la merde. Hein. On va y arriver au jeu qui coûte 250 balles. Mais du coup, ouais, c'est vrai que... bon, ils sont mignons avec cette annonce, hein, mais... pour l'instant, je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient s'assurer un nombre de sorties suffisant. Pour justifier un abonnement. Perk, what about your match? Forget the match. No way I could let my friend fight alone, because I'm a hero. I mean, you know, I'm gonna be one. Come on, let's finish this together. Incroyable. Parce que ouais, les gars, du coup, ils ont quoi? Ils ont les Dragon Quest Builders 2 qui va sortir. Ah oui, il y a un nouveau Dragon Quest Monsters aussi qui a été annoncé, mais on connaît pas le support ni rien. Donc pareil, ça se trouve, les développeurs, ils sont pas au courant qu'ils sont censés faire le jeu. Ce serait pas étonnant. Allez, vas-y, je tourne le stick cette fois. Voilà. Ah non, il faut appuyer sur 3 à la fin, One Tap. T'as tellement pas le temps. Ok. Je crois qu'ils sont censés faire un Avengers aussi, non, Square Enix? Ça fait tellement longtemps qu'on en a pas entendu parler. Et pourquoi j'ai pas... Non? Je vais pas croire cette fois. Non mais j'ai pas le temps, attends. Ouais, j'arrive. Mais pour un mob, il me fait faire ça. Mais non mais il fonce dans le tas. C'est pas le con. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas accès au blindé. Attends, je me transforme. Ah, ça tape trop bas ça. Attends, ils sont pas tous morts. Moi, je veux level up. Ah, c'est terrible. Un glissade aérien. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Sorry that I made you lose that match, Herc. Oh, come on. You don't have to apologize. It was totally my decision. What? You didn't save any for me? Hey, you're here. Hey, I've set my sights on being a hero too. I just don't run as fast, that's all. So you both threw the match? Who won then? I left first, so it's not me. Yeah, but I was only seconds behind you. Still. Hey, I never said I coached a winner. All I said was I'd see the match, then decide. Look, being a hero takes more than just muscle. You gotta have heart and care about people. And sure, you both get high marks for that, but this time only one of you cared fast enough, and that makes all the difference. Then that means... Oh, man! I was this close! Well, that's life. I never really introduced myself. The name's Zack. Congratulations, Herc. Thanks, Zack. Yeah, well, we'll see if you're still thanking him when I'm through with you. You got a long road ahead of you, champ.
Hey, don't count me out. I've still got plenty of big dreams to go with my lousy luck. Okay, be honest. You weren't really gonna stop training Herc, were you? Ah, of course not. I know that kid's gonna go the distance, but he was stuck in a rut. He just needed a little incentive. It's, Ventus, right? Well, thanks to you, Herc here is really shaped up. I owe you. Nah, I'm glad. I made a really good friend. Somebody to share a laugh with. Like Terra and Aqua. We'll patch things up. You're leaving? Yeah. My journey's not over yet. But you'll visit, right? I'll stop by once you're a true hero. Stop by once me and him are both heroes. Oh, so you mean never come back? Hey, watch it. Ah, c'est beau. Incroyable. Ok, on en est où dans le jeu de commande? Ah, j'ai ah, pas mal de trucs qui sont prêts. Ah, attends, on va faire ça. Ok, et puis pourquoi pas. On va se concentrer un peu dans les différentes frappes. Après j'ai de la rafale. La rafale ça permettrait de passer en cyclo, en deuxième transformation. Ça peut être pas mal potentiellement. Ok. Après est-ce que j'en mets un ou deux? Peut-être en mettre deux pour safeiser. Voilà. Là ça devrait être cool. Ok. Ah oui j'avais autre chose hein. C'était quoi? J'avais la glissade aérienne. On la met là? Ouais. Très bien. Par contre, j'ai toujours pas de nouvelles salles. Voilà. Comment ça s'apprend? Bon, en même temps, j'utilise jamais ce machin. Faudrait que je le fasse un jour. 5 et 1. Ouais, non, je vais garder un truc équilibré. Et lien D. Avec Zakounet, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ouais, c'est un bourrin. C'est totalement un bourrin. Ça va être du shoot them up comme dans Kingdom Hearts 1 et 2 ou quoi? Non, ça va être un boss. Ouais, attaquer avec croix et triangle carré pour se défendre. Vas-y, attends. Ah, du coup, c'est super maniable, tout va bien. Ouais, le triangle c'est un dash et du coup, avec croix, tu fais la Beyblade, c'est incroyable. Ah, tu peux sauter aussi. Évidemment, tu as un sol invisible. C'est incroyable. Je fais pas de dégâts, en fait. Ah, mon dieu. Je vais tellement mourir. Je fais pas du tout de dégâts. Ah, mais il s'en va. Ah, oh. Oui. On peut se soigner. Non, j'ai pas accès... Attends, il s'en va. Ah bah du coup, d'accord. Fallait rien lui enlever en fait. Va bien. Trying to catch a ride, huh?
bah allez. Et tu vois, Ventus, c'est pas un maître de la Keyblade, mais il s'est pas fait capturer comme un caca. Comme un certain Terra. Ah mon dieu. À la différence de level. Don't get any more ideas. These guns are locked into your genetic signature. An intruder? All right, you. Don't get any funny ideas. Ouais, c'est un télo. So you're the intruder. Identify yourself. My name is Ventus. The monster I was chasing boarded your ship. Nice try. If there was another intruder aboard, we'd have detected it. Huh? Intruder in the machinery bay. We lost control of the engines. It's some kind of monster. Now you tell me. Stay right there. I have lots of unpleasant questions to ask you. This is my fault. I have to do something. Ben? Terra Aqua. What? You know Terra and Aqua? Friend. Circle. Hey, is that a wayfinder? The engines are under too much stress. We're risking an explosion. What am I doing? There's no time. Huh? No, you need to stay here. It's too dangerous. Yeah. Ah ouais, ah mais je bip déjà. Oh mon dieu. Alors attends, normalement j'ai de l'huile. Ouais. Mais ça met longtemps à se remplir. J'ai pas d'huile tout simple, non j'ai que celui-là. Ok. Ah ouais, ah, sinon on se fait un lien D. Allez vas-y. Hop. Voilà, ça va mieux. Ah mais l'autre il sait... C'est Roloman. Bon, à quoi elle est un peu lotière, hein, j'ai l'impression. C'est pas foufou. Après, eux, ils doivent être bien résistants à la magie aussi. Ça doit pas aider. C'était peut-être la pire transfo à faire. Ah mon dieu, oh, j'enlève tellement rien. Soit c'est ça, soit j'ai pas du tout le niveau. Comment ça va se passer? En plus j'ai vidé quasiment toute la barre, j'ai même pas eu droit à un bonus pour cette transfo. Ah mais non, mais je voulais pas les... Oh merde. Abonnez-vous. Ah du coup battez-les tous. Ah, c'est comme Pokémon finalement. Non? Je peux le taper? Merci. Ok. Donc là on est revenu sur ma transfo. Ok. Allez vas-y. Du coup, est-ce que deux rafales, ça suffit? Ouais, ça suffit. Ah, génial. Ça suffit. Par contre, je fais tellement pas de dégâts. Oh mon dieu. Ah oui! Ah
Allez. Alors faut tuer les chiens là. Après les petits ça ira, ce sera plus simple. Mais là même pas. Ouais je dois tellement pas avoir un niveau en fait. Alors, j'espère qu'ils vont me donner la max d'XP. Ah mon dieu. Il était tellement incontrôlable. Après faudrait peut-être que j'abandonne l'idée de faire une transformation foudre ici. Pas trop. On va peut-être faire autre chose. C'est quoi qui est fort contre la foudre dans Kingdom Hearts? Je connais pas mes tables de type. C'est terrible. Parce que là c'est un vaisseau du turf et tout donc ils doivent utiliser la foudre. Et la glace apparemment. Il y avait des trucs de glace aussi. Ok. Allez. Oh cet acharnement pour tuer un mob. Eh ben. Et en termes d'XP, on en est où hein? Peut-être que j'équipe la keyblade de Hercule, hein, au pire. Sans avoir un petit buff. 284 encore. Ah, mais il y a d'autres vagues en plus! Oh mon dieu! J'ai pas le niveau! Un deuxième win, il est pas passé. Ah, mais c'est bon, ça suffit. Oui, il devrait donner de l'XP. Fais-moi level up. Donne-moi de l'attaque. Allez, vas-y, 7-7-7. Oh oui! Ah, c'est incroyable. Ni par terre, je peux pas le taper. Ouah, mais c'est chiant en fait. 267 au niveau suivant. En fait, il rapporte pas d'XP. Ah merde, comment ça se fait que je tape comme une moule? Il y a forcément un truc que j'ai mal fait. Pic de fièvre. Ah, ça, ça a l'air déjà plus prometteur, le pic de fièvre. Ah ouais, ouais, ouais. Ah mon dieu, il y en a encore. Voilà, on va le forcer à exploser. Je pense que ce sera plus rapide. Ok. Ah non mais il vient là. Non c'est bon. Tout va bien. Allez. Tempête de feu. Tu vois. Bah, ça a l'air prometteur aussi. Mais c'est pas foufou. Bourrons un peu. Ah mais du coup faudra que je teste la keyblade d'air. Mais je me rappelais que Ventus c'était il tapait beaucoup moins fort que Terra. Je me rappelais plus que c'était à ce point-là, quand même. Ah merde. Ah
Allez, ah, c'est bon cette fois. Ah, c'est bon. Ok. Alors vite. Non, pas jeu de commande. Ah, objet. Non, on va passer sur sur celle-là. Et du coup, on va virer un petit peu les magies, éventuellement. Parce que des trucs physiques. Règle électrique, voilà, ça devrait être pas mal. Et du coup, là... On va se faire un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. J'y crois à fond. Ok. Allez, deuxième vague. On n'avait pas eu assez. Ah sinon, j'ai la jauge de concentration aussi. Ça a l'air déjà d'aller un peu mieux. C'est la bonne nouvelle. Non mais cassez-vous. Ah, ça va un peu mieux. Ok. Pas la folie. Ça permettra d'avancer quand même. Non mais qu'est-ce que je fais? Ça dépend de voir ça là. Ça a l'air de marcher pas trop mal quand même. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de dégâts par contre. Pas convaincu. Alors. Tiens, et si on se faisait une fusion avec avec Terra, histoire de... Peut-être que ça se passera mieux. Non, ça a pas l'air d'influencer les stats par contre, les liens D. J'ai pas l'impression. Ah, du coup, quand t'es l'autre tiers, t'es l'autre tiers. Tu peux récupérer juste ses capacités en fait. Ok. Allez, on a force augmentée. Est-ce que ça se voit? On sait pas trop. C'est pas très clair. Non mais je voulais pas le cibler. Ah mon dieu, je vais le faire exploser alors qu'il est quasiment mort. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait à lui? Il s'est perdu. I don't know how you did it, but you won't get away again. You haven't fooled me. You can bat your eyes all you want at the Grand Councilwoman so she'll reconsider your sentence. But I see you for what you really are. An abomination that's only instinct is to destroy everything it touches. Ah bah en même temps, si tu lui répètes ça en boucle et que tu lui casses tous les trucs auxquels il tient, ah bon, ça va pas l'aider. Hein. Ah, c'est fermé là. C'est fermé, on peut pas y aller. Ah, c'est terrible. Ah, un point de sauvegarde. Alors. Ah, donne-moi la carte. Ok. C'est tout? C'est déjà pas mal.
Et sinon, ici, il y a des gens qui ont testé Warriors Orochi 4. Hein. J'ai bien envie de le faire, ce jeu. Je sais pas si je le fais en stream ou pas, par contre. Parce que, il a l'air assez cool. Ah, bien plus que l'attaque des Titans 2. Et Dynasty Warriors 9. Ok. C'est quoi ces mobs là? Arrêtez de vous caler partout. Ouais, après faut trouver quand le faire. Là j'ai vu que le jeu il avait dépassé les 500 000 ventes. Donc a priori il se vendra mieux que Akai Dynasty Warrior 9. C'est une bonne nouvelle. Ok. Et du coup, le jeu, par contre, il va avoir plein de mises à jour, apparemment. Ah, ça, ça fait pas envie. Je sais pas pourquoi, maintenant, dès qu'un jeu y marche, on t'annonce que, du coup, il va y avoir plein de DLC et on te présente ça comme une bonne nouvelle, tu vois. Genre, ouais, trop bien, regarde, tu vas pouvoir payer des maps en plus et des costumes et des nouveaux persos, 15 fois leur prix. T'as de la chance, hein. Ah mon dieu. Et du coup après les gars forcément quand ils auront le choix entre payer 10€ par mois ou payer leur carte ou leur nouveau perso à 20 balles, bah, ils vont se dire bah c'est plus rentable l'abonnement. Ah mon dieu, ah la next gen hein. D'ailleurs, c'est quand la conf de Microsoft, là? C'est pas samedi? C'est pas samedi, là, qu'il y a Microsoft qui présente ses trucs? Il me semble, hein. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. C'est vrai que... on les entend plus, hein, depuis un moment. Mais casse-toi. Ah, mais il va voler super loin. Alors attends, je vais désactiver ça pour ouvrir un coffre. Ah, est-ce qu'il y va? Ouais, ça va. Tout va bien. Très bien. Bombe puissante. Ah, mais c'est là-dedans que tu les récupères, les trucs, là? Ah ouais. Ok. Ok, ok. Je pensais pas que c'était dans des coffres. J'avais jamais fait gaffe avec Terra que c'était dans des coffres que tu les ramassais. Très bien. C'est cool. Et là, on en est où? Ah ouais. Forcément. Mais du coup, ouais, je vais plus pouvoir utiliser... Attends, il faudrait que j'en mette un heal. On peut me faire un soin X. Vas-y. Hop, hop. Ça y est, on y arrive. Voilà, avec un autre soin. Hop. Non, attends, surtout pas. Voilà. Voilà, booster soin. On en est où des booster soins? Parce que là, du coup, je vais l'équiper. Ok. Et en termes de capacité, booster HP, ouais, booster soin. Il en faut encore un de booster soin. Donc je peux me faire directement la deuxième vague de soins X. Hop, voilà. Très bien. Je peux même l'équiper direct. Parce que là, voici, vu qu'ils craignent pas la foudre de toute façon dans ce monde, ça sert à rien de la bourrer. Ah, ok. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des stats là? Ah, j'ai un nouveau style de commande, la mêlée s'active si vous avez un style de commande, puis utiliser des commandes style aimant à des attaques comme taille électrique ou des contres. Aimant et taille électrique. Est-ce que j'ai ça? Dans la place de brasier plus. Taille électrique, j'en ai, mais elles sont déjà à fond. Et du coup, aimant... Ah ouais, j'en ai un là.
Allez, vas-y. Très bien. Ah, du coup, attends, je vais tester ma nouvelle capacité. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait quelques trous dans la barre, quand même. Après, ça me brandonne. Voilà, lui, il a pris que... Ah bon, voilà. On laisse sombrer là-haut. Je me casse. Ok, est-ce que je vais la voir? Ouais, normalement... Oh oui, si tu fais pas ça! Ah putain, le con. Mon golo. Ok. Voilà. Easy. Ah, le retour des canons. Je les avais oubliés. Ah, ça fait mal. Voilà. Il a pas tiré pendant que je faisais le soin. Il a bien attendu. Ah merde. Ah putain. Non, c'était une mauvaise idée en fait d'essayer de les tuer. Je crois qu'il vaut mieux... Il vaut mieux le leurrer, ouvrir le coffre direct. Non, ça marche pas. Alors... Je suis sûr que tu peux le zoulouper. Voilà. Tout va bien. Ah merde. Ah ouais, par contre les dents en même temps ça va être compliqué. Voilà. On est en mission d'infiltration là. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Comment on monte là? On peut peut-être d'abord monter ici. Voilà, et du coup après tu vas là-bas. Ok, très bien. Allez, donne! Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais vu que c'est un gros coffre, ce sera bien. Rapport de Xehanort 1. Ah, cool! Comme ça, je pourrais vous faire la lecture à la fin du jeu. C'est génial, hein? Je suis sûr que vous attendez tous ce moment avec impatience. Cœur de glace. Ah, coucou! Voilà. Alors, attends, je vais peut-être me faire la méduse. Parce que la méduse, ça rapporte en termes d'XP. Laisse pas faire. Allez, vas-y. Voilà, allez, c'est parti. Okay. Ah non, il y en a une qui est morte. Merde, la magie, ça la tue. Faut juste bourrer simplement. Voilà. Ah, il faut deux aimants pour déclencher la transpo. Donc la transpo, elle sert à rien en fait. Ah non, mais l'autre il heal. C'était pas le bienvenu ici. Ah, y en a d'autres. Ça va, c'est que les tirs. Qu'est-ce que quoi? Personne t'aime. Ah, c'est le coup. Non, attends. Il veut pas mourir. Voilà, merci. En fait, plus j'en pique, plus ça en fait popper, j'ai l'impression.
C'est dramatique. Ok. Je suis quel niveau? Attends, il y a encore des mobs. Ah non, mais c'est les canons. Ah non, mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Ah, vite, je me cache. Voilà. Ok, très bien. Il y a une sortie par là. Hop. Ah, dis-moi quel niveau je suis. Je suis niveau 17. C'est pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'imagine que non, hein. Vu les dégâts de moule que je fais. Ça doit pas être terrible. Ok. J'ai très peur du prochain boss. Qui raconte, mais ça a l'air important. Mais sautiller, lancer là sur l'ennemi. D'accord. Ouais, non, attends. Tu bouges trop. Ah, il sautait vite! Il a arrêté de sautiller. Dame la vie. Bah du coup je fais quoi? Je reste à côté et j'attends. Avec qui on va y enlever? Bon, on va taper quand même. On va pas faire qu'attendre qui. Ah mais du coup ça marche pas. Ah mon dieu! Ah faut peut-être pas s'en approcher alors. Ce serait un combat à distance. On va voir, on réessaye. Ouais, il me faudrait dernière chance et dernière force à l'occasion. Enfin, je regarde si je peux les faire ce soir. Non mais là, ouais, ça a l'air d'être l'enfer les commandes corps à corps. Je pense pas que ça marche bien. Ouais, du coup, il pompe. Mais non, mais arrête de pomper. Mais il fait tellement plus de dégâts que moi, le Styx. Ah merde. Non. Ça a pas bien marché. Oula. Comment on monte là-haut? Il doit y avoir un panneau quelque part. Attends, vite. Carré. Parti. Je sais pas trop si ça a marché ou pas. C'est pas clair. Ah oui, il y a le panneau de commande là-bas pour annuler la gravité. Ah, attends, vite. L'autre il saute en dessous. Ah vite! J'ai vu sauter, t'es où? On avait trop tard. Non. Pourquoi il est invisible? Personne ne suit.
Allô ? Oui. Il est reparti, moi. Ah, l'autre il saute. Ah, vas-y. Voilà. Bon, c'était un petit combat d'endurance, hein. C'est tout à fait normal. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. It's over. Cut it out. What's gotten into you? I see. Your wayfinder broke. Well, don't worry. Friendship's more than an object. Friendship circle? Mm-hmm. Don't let the little mimic fool you. You saw for yourself what kind of monster that thing is. All it knows how to do is hurt and destroy. Monster? He helped me stop the monster! You must have triggered some sort of mutation, hidden in the little freak's genetic coding. Then, friend! That's right. We are friends. Better say your goodbyes now, because 626 is about to be destroyed. Stop that! Come on! Sound the alert! Prisoners on the loose! Don't let them get away! Where are we going? Hyperdrive has been activated. System charging. Warning. Guidance is not functional. Navigation failure. Do not engage hyperdrive. Repeat, do not engage. Break formation, get clear! What is it? What's going on? Ah mon dieu! Un vol en hyperespace. Alors, est-ce qu'elle est bien cette Keyblade? J'ai besoin d'une bonne Keyblade. Genre une qui tape à 25 en attaque et 25 en magie. Ce serait pas mal. Ah, y'a peu de tes pans! Ah, le meilleur! On va pouvoir aller chez peu de tes pans. Du coup, comment ça se passe? Ah, ça c'est fini aussi. Déferlement brasier, ouais, comme ça. Pourquoi pas? Et puis, ouais, on va. Ah, j'ai un nouveau soin plus, tiens. Mettre ça. J'ai pas d'autre aimant. Non, il est fini mon aimant. Ok. Ok, ok. On peut essayer Morphée. C'est un peu l'autière, Morphée. Non, c'est pas trop des magies que j'utilise, tout ça. Allez, vas-y, pour le lol. On verra bien ce que ça donne. Ok. Et du coup, la Keyblade, voilà, est-ce qu'elle est mieux? 4 et 3? Ouais. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Et du coup, le Stitch. Ok. À rayon lambda. Foot plus, gravité plus. Taille électrique et soin plus. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Peut-être un peu trop de magie, mais ça va. Niveau de combat 7. on gagne encore un cran. Ah mon dieu, tout va bien se passer. Le prochain combat de boss va durer 45 minutes.
Oh, ce plan culotte. Incroyable. On s'est trompé de jeu, on est dans Senran Kagura. Ventus, but everybody just calls me Vent. Huh. Guess when I sat down to rest, I must have fallen asleep. But where'd you come from? Well, you see. All right, we're going. So long, Ben. Hey, where are you guys off to? King saw a shooting star, and we're gonna go hunt it down! A shooting star? You mind if I come along? Of course not! But you gotta agree to follow us! Yeah! It's, right over... that way, by the Indian camp! Ready, men? Forward, march! Okay! Ah, bah allez! Va chercher Poté, la meilleure! Mais n'empêche, t'imagines si un jour on avait droit à un croisement de concepts, tu vois, entre Smash Bros et Kingdom Hearts, finalement. Ou du coup, au lieu d'avoir les mondes de Disney, tu vois, t'aurais les mondes des jeux vidéo, tu vois, un peu comme le monde de Ralph. Non, je me rappelle plus du monde de Ralph. Mais tu vas dans le monde de Sonic, tu vas dans le monde de Resident Evil. Ce serait tellement stylé. Ah, dans le monde de FF15 ou pas. On va peut-être s'épargner ça, mais ah, j'avoue que un petit truc comme ça, je dirais pas non, tu vois. Encore mieux qu'un Musou All-Star. Kingdom Hearts All-Star, finalement. Ah, je vous endors. Et hop, fais dodo. Non mais sans déconner. Je peux mourir au bout d'un moment. Je fais tellement aucun dégât. Aïe, fais du feu. On pourrait même déjà prévoir les DLC finalement. Enfin, genre, du coup, pour donner envie aux gens, tu vois, tu fais le monde Senran Kagura, le monde Dead or Alive en DLC. Parce que la culotte finalement, c'est optionnel, mais ça vend. Tout le monde le sait. Ah mon dieu, le monde Call of Duty. Le monde FIFA. Ah putain. Ah, t'imagines Sora sera dans un stade de foot. Et il y aurait Mario en guest. Vu qu'il y a Mario Striker Charge qui existe. Je suis en train de partir très loin là. Et salut Tazou, comment ça va? Ouais, je fais moins. J'ai un point de dégâts physiques en moins, mais du coup j'ai deux points de magie en plus, et vu que j'ai un peu de la magie et de la... et de l'attaque physique, il faut un peu de complémentaire, quoi.
Et là, le problème, c'est que, ouais, j'ai pas le niveau, hein, je pense. Il faut que j'aille farmer. Ce soir, session de farm, hein, pour moi. Ah bah écoute, ça va super bien. Ah là, je me suis réveillé, il y a eu la meilleure nouvelle de l'année. Ah, du coup, ta bataille s'est fait dégager. Ah, donc, c'est peut-être la fin de l'ère des jeux en kit et des jeux... des jeux fragmentés dans tous les sens chez Square Enix. Je sais pas. Potentiellement. On est peut-être en train de prendre ce chemin-là. Peut-être qu'éventuellement Square Enix va se remettre à faire des jeux correctement. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, ce serait mettre un chef à Nomura, un chef compétent, histoire qu'il arrête d'être en roue libre. Et il faudrait virer... Mais non, je voulais pas changer de zone! Ça fait 15 ans que je tape sur les mobs! Ah, c'est terrible! Bon bah tant pis. Alors du coup, je tape plus sur personne. Voilà. Je vais juste choper les coffres. Oh mais c'est beaucoup trop loin. Ah, c'était un... Eh ouais, enfin. Enfin, enfin. Et le gars, il aura jamais fait de projet qui auront mis tout le monde d'accord. C'est ça le pire. Tu te demandes comment il est arrivé à diriger des jeux aussi gros, les gars. Parce que... Bon, du coup, il a commencé avec des spin-offs de FF, tu vois. Mais c'est du FF quand même. C'est du FF quand même. Ah, du coup, il a dû se faire pistonner, hein, à mon avis. Mais vu ce qu'il a sorti, je suis pas sûr qu'il arrive à retrouver quelque part. Hein, c'est pour ça qu'il va monter sa boîte, en fait. Mais il va finir comme... comment il s'appelle, Sakaguchi, là. Il va commencer à faire de jeux mobiles, il va bider et... Après, on va plus en entendre parler. Ah, mon Dieu. Parce qu'en général, quand tu pars en indépendant comme ça, c'est pas pour faire du triple A à 200 millions de dollars. Ah bah oui, je sais bien. C'est peut-être bien mon problème, tu vois, c'est que moi, je refuse. J'ai déjà dit non. Ah, du coup, forcément, bah, ceux qui sont passés, voilà, ils sont passés à ma place, du coup. Mais bon, ah, d'un autre côté, j'ai toujours mon intégrité. Ah, tout va bien. Je suis pas traumatisé. Non, mais c'est trop loin. Mon dash aérien, il va pas encore assez loin. Il va pas encore assez loin. La réserve des Indiens ne doit pas être par là. C'est où alors? Merde. Je voulais pas tomber. Ah, mon Dieu, regardez ça! C'est la même nage que dans Xenoblade. Incroyable! La nage en apesanteur. J'avais jamais fait attention que c'était la même. Ah, c'est incroyable. Merde. Promis, je fais pas exprès. Hein. Je fais pas exprès. Tout va bien se passer. Alors attends, non, je vais monter là-haut. Ouais, ça marche à temps, hein, de toute façon. Bah, après, une fois que t'as pas les compétences, si on te met en poste, on le voit vite. Hein. On le voit vite n'importe comment, y a pas d'embrouille. Hein. Mais bon, après, bah, c'est toujours pareil, quoi. Quand t'es dans une boîte, tu fais passer le petit copain à bord. Et du coup, c'est vrai qu'au final, ça dessert un peu la boîte. N'importe comment. Bon, c'est par où, alors? Parce que là, on peut pas y aller. Faut que j'aille où? Attends, je vais taper le gorille. Je suis sûr que Gorille... Oh mon Dieu. Attends, d'abord il faut taper le leader. Ouais, faites dodo. Oh, donne-moi du pognon. Ah oui. Ouais. Je
La mêlée. Ah, voilà. Ah, ça, c'est bien. Comment j'ai fait ça? Là, normalement, tu devrais faire du DPS. Là, je pense que c'est la transformation ultime de Ventus. Tu vois, même avec la transformation ultime, j'arrive même pas à tuer un mob random. Ah, mon Dieu. Ah, il y a du farm à faire. Je pense que je suis censé être au moins level 20 ou 25, là, non? À mon avis. J'ai rien à foutre ici, en fait. Ah, super. Un problème qui level up. Mais du coup, ouais, attends, faut que je trouve le chemin. Et tu vois, je disais que c'était une bonne nouvelle que ta bataille soit fait virer. Mais d'un autre côté, bon. J'ai pas la carte de la zone. Attends. Ouais, il y a un autre endroit où tu peux aller. Si. Elle est là. Non, je suis pas allé ici. Ah, voilà, ça doit être ça. Ah, bah oui. Never seen you before. I'm Ventus. Call me Ven. Well, if you say so. Tension! Now then, Ven, I don't suppose you'd want to capture some real pirate treasure. Real pirate treasure? Sure! Well, guess who caught sight of Hook right when he was stashing his treasure? What do you say we sneak in and grab it? Oh, boy! Let's go, let's go! Ow! Tinkerbell, what's gotten into you? We were all supposed to go hunt for a shooting star together. Forget that. Pirate treasure is way more fun. Tink, you're coming with us. Well, that's no way to respond to an invitation. Come on, Ben. You're a better sport than her, right? I'd love to join you, but first I want to find the shooting star. Ah bah ouais. Ah, moi personnellement j'irai chercher le pognon. Mais ah, du coup allons chercher l'étoile filante quoi. Pourquoi pas. Mais ouais, du coup je disais vu que dans le même temps t'as Square Enix qui t'a annoncé que il voulait sortir plus de DLC et tout, et sortir plus de jeux, sûrement dans le but de faire leur propre abonnement, tu sais, comme Microsoft, EA et compagnie. Tu dis que bon, alors peut-être qu'ils vont pas profiter du départ de Tabata pour se racheter une conduite, les gars. C'est un peu mal parti. Ah, du coup, ouais. Non, j'ai pas envie de dépenser mon pognon pour l'instant. Je vais le garder pour les farms de ce soir. Alors, on va juste piller la maison. Bah vous aussi, quand vous allez chez quelqu'un, n'hésitez pas à ouvrir tous les tiroirs et à prendre ce qui vous intéresse. C'est legit, hein. C'est legit. Ah, le DLC, ouais. Bah, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un gros problème de tarification dans les DLC. Tu vois, autant celui de Mario Kart 8 à l'époque sur Wii U, il était honnête, hein, parce que pour 12€, t'avais deux coupes en plus. Non, t'en avais combien? Deux ou quatre? Je sais plus. Attends. Ah, je me rappelle tellement pas. Mais bref, rapport qualité-prix, c'était nickel. Mais par contre, tu vois, genre, tu prends n'importe quel jeu aujourd'hui, genre les DLC de Smash Bros, là, 6 balles.
pour un perso, un niveau et trois musiques, quand dans le jeu de base, pour 60 balles, t'as 75 persos. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et le ratio, il est pas vraiment équitable. Un Pokémon Let's Go, ouais, non merci. Un Pokémon Let's Go, moi j'attendrais qu'il soit à 10 balles dans un bac à soldes, parce que j'ai ni envie de faire le mongolo devant ma télé avec la Pokéball. Et salut Roskalem, ah, comment ça va? Avec Ventus, faut rester focus. Mais bien sûr, sinon tu l'auras dans... On sait pas trop. Dans l'Airbus, évidemment. Voilà, le vent, l'air, l'avion, c'est relié. C'est relié. Merci pour cette intervention. Mais du coup, ouais, le jeu, il est calibré pour les enfants. Et ceux qui jouent jamais aux jeux vidéo. Donc, n'importe comment. Surtout qu'apparemment, c'est juste pour se retaper Pokémon bleu et rouge. Donc, pas de nouvelle zone ni rien. Mickey's Star Shard? A shooting star and a pixie. Must be my birthday. Let Tinkerbell go! Huh, one of Peter Pan's brats. Well, tell that cowardly sparrow if he wants... Ah, c'est Sandel! Je t'avais pas vu, dis donc. J'avais pas vu que c'était toi. Vu que j'ai vu que le pseudo était bleu, j'ai cru que c'était Tazu qui parlait. Ah merde. Ah bah ouais, ah bah ça va bien, tranquillou. À part que j'identifie les gens à la couleur plutôt que par le pseudo. Là, vous pouvez me traiter de raciste. Hein. Ah mon dieu. Ah t'imagines IRL. Bon, lui il est noir, il doit s'appeler Abdoul. Ah mon dieu. Ah ce serait terrible. Ça va bien par les problèmes techniques. Ouais mais du coup les problèmes techniques de Splatoon 2 ça fait partie de l'expérience du jeu. Finalement. Donc c'est pas un problème. C'est comme ça que ça marche hein. Il semble. Moi, on m'a vendu le jeu comme ça. Je trouve fasciste. Ah mon dieu. Ah mais je l'aime bien cette transformation là. Je sais pas comment je la fais. Je la trouve super classe. En se piquer. Mais en fait, c'est totalement Noctis avant l'heure. Regardez ça. Alors, le gars, il a 15 armes qui flottent autour de lui, qui sont semi-transparentes. À la fin, il fait une super attaque en les plantant dans le sol. C'est totalement Noctis. Hein. Même Noctis, c'est une escroquerie. Ah putain, en fait, Noctis, c'est Ventus. Qui s'éteint les cheveux. Ah mon dieu. Voilà, la vérité révélée sous vos yeux ébahis. En ce matin, où Square Enix fait l'actu, finalement. C'est totalement incroyable. Attends, je vais me faire bourrer. Il faut tout ce que je les tue. Je vais mourir. Hein. Je vais mourir. Et hop, fais dodo. Le petit les a volés dans leur jeunesse, on sait pas trop. Ah oui! Ah tous pognon. Incroyable. Attends, je vais rater un tailleur. Sans devoir si je peux. Je vais juste attendre 2 secondes que le fire revienne. Voilà. Ah non, ah ça marche pas le fire. Ça fait pas la deuxième transfo. Bah bien sûr, oui, ils reprennent forcément des assets. Hein, ça. Et c'est vrai que c'est drôle de voir ça et de faire un rapprochement du coup. Ah moi ça me fait marrer. Ah oui! Allez vas-y, regardez-moi, c'est Noctis. Ah mon dieu, meurs pas Noctis.
Je sais que t'es lotière. C'est pour ça qu'il tape pas fort en fait, Ventus. C'est parce que c'est Noctis, il est lotière. Voilà, tout s'explique. La vérité révélée. Mais Tabata, bah du coup, tu sais, Tabata, bon, il a fait FF15 déjà. Bah, il a sorti dans l'état où il est sorti. Du coup, bah là, vu qu'il a été viré à tous les DLC de FF15, à part celui d'Ardin qui est quasiment fini sûrement, ils sont annulés. Donc FF15, il sera jamais fini. Et du coup, tu sais, il avait fondé son studio interne, là, le Lumino Studio, qui était sur un projet. Alors, le gars, il a déjà engouffré 29 millions de dollars. J'imagine qu'il a probablement aussi détourné un peu de pognon des DLC de FF15. Et apparemment, bon, il se pourrait qu'il ait dépensé le pognon un peu n'importe comment, donc le projet était annulé, tu vois. Et il s'est fait remercier. Enfin, officiellement, il a démissionné, hein, mais bon, on sait comment ça se passe au Japon quand t'as quelqu'un qui démissionne. Voilà, c'est que il y est fortement invité, quoi. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Oh, FF15, c'est bien vendu. Hein. C'est bien vendu, FF15. Mais c'est juste que bah, c'était un peu de la merde, au final. Même si moi, je l'ai bien aimé, tu vois. FF15, il aura toujours ma sympathie. C'est vrai que le jeu n'était pas fini. Et du coup, il était très drôle. Mais c'est vrai que je suis pas sûr que Square Enix voulait un jeu drôle avec FF15. Tu vois, c'est ça le problème en fait. Ah bah ouais. Mais en plus, deux season pass quoi, les gars. Même pas un, deux. Et là, j'ai appris en plus en lisant les commentaires ce matin dans la news. Que en fait, t'avais même pas le boss final en fait dans FF15. C'est pour ça qu'à la fin c'est aussi bidon. En fait, il manque le boss final. Et du coup, apparemment, il voulait le mettre dans le DLC qui concernait Noctis. Avec la nouvelle fin. Il voulait le mettre à ce moment-là, les gars. Ah mon dieu. Bon, ça y est, ils sont bientôt morts. Et là, plot twist, en fait, il y a 15 vagues successives, normalement. Et vu que je mets 15 ans, tu win. Ah, mon dieu. Ah, putain. Ah, quel enfer. Ça va durer 15 ans. Même Nintendo, ils auraient pas osé. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Ah, tu sais, le Nintendo actuel... Il aurait du potentiel. Potentiellement, ça me semble pas mal. Il a pas été sur The Quiet Man. Ah, je veux le faire, The Quiet Man. Il est sur PC. Est-ce que le jeu il est sorti ou il va sortir sur PC? Est-ce qu'on a des chances de le voir arriver sur mon ami Sky? Comment ça se passe? Parce que je vais totalement le faire, lui. Pour la science. Ah, il est sur Steam, ah, parfait. C'est-à-dire qu'il arrivera un jour. Ah, le jour où il est dispo, on le fait. Y a pas d'embrouille. Okay. Mais c'est là, ça va, j'ai l'air de leur faire un peu plus de dégâts quand même. Avec la transformation ultra, là, maintenant que j'ai compris comment on l'a fait. Ça marche pas trop mal. Ok, tout va bien. Enfin, du coup, ouais, je préfère des gros, quelques gros que plein de petits. Mais non, mais casse-toi! Voilà. Comme ça, on est safe. 8 sur 20 sur JVC, ouais, bah ça correspond à 2 sur 10, ouais, c'est chez GameCube, hein, c'est normal. Mais ouais, moi ça me vend du rêve, parce que ça c'est un pur nanar vidéoludique. Et mine de rien, maintenant ça se fait rare. Hein. Ça se fait rare, les purges de A à Z. Parce que bon, en nanar t'as les Tomb Raider et tout, tu vois, mais ça reste des triple A, basiquement. Sont quand même bien faits, mais The Quiet Man, par contre, il a l'air d'être mal fait dans tous les sens. Donc, I lost them. Ça vend du rêve. Hein.
Il a moins 10% vite. Ah, ça vaut. Wonder what stars are. Where light comes from. Look out below. Peter, help. Tinkerbell's been pixie napped. Then I'm too late. Hook's gonna pay for this. He said to meet him at Mermaid Lagoon. Gotta be an ambush. Huh, that old codfish thinks he's clever. Hey, I'm going too. Well, we have to hurry. Can you keep up? You bet. Oh, mais genre, mais c'est quand que j'apprends à voler, moi? Oh, je suis dégoûté. Je sais pas voler. Ah, ok. Ah, mais c'est midi déjà. Ah, ça passe vite. Ça passe vite, ça passe vite. Bah, du coup, on va s'arrêter là pour ce matin. Hein. Voilà, on ira sauver Clochette demain. Comme ça, après, on prendra 2 jours de repos bien mérités sur Kingdom Hearts. Ah, ce sera impeccable. Comme ça, moi, ce soir, tu vois, je vais farmer. Et demain, on pourra ouvrir le fuyon du boss. On va sniffer la poudre de la fée. Bah, ouais! Bah ouais, mais il veut pas m'en donner. Il est salaud, hein. Je l'ai pas, hein, le vol encore. Ah, des fois qu'il me l'est mis sans que je le vois. Mais non, j'ai que le super saut. C'est l'eau tiers. Hein. C'est l'eau tiers. Allez, alors du coup, on s'arrête là pour ce matin. On se retrouve cet après-midi pour la suite du DLC de Xenoblade 2. On se rapproche de la fin, doucement, à mon avis. Demain, je pense que ce sera fini, le DLC de Xenoblade. Ah, du coup, il faudra sûrement trouver un petit truc pour meubler avant Spyro. Pas trop long. Voilà. Ah, je verrai ce qu'on fait. En tout cas, eh ben, merci d'être venu. N'hésitez pas à follow la chaîne, évidemment, si c'est pas fait. Bon appétit. Et puis, bah, à tout à l'heure. Ciao! Plus solaire, plus. Ah bah ouais, à la base.